Bonjour les amis et abonnés, bienvenue sur la chaîne Rétroviseur. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit truc particulier, c'est un achat que je vais faire. Donc on va aller l'essayer ensemble, c'est parce que je passe mon permis de chasse et que donc voilà, il me fallait donc des fusils que je peux essayer aussi au stand en sanglier courant. Donc voilà, on a une superbe Diane type camouflage donc en automatique. Voilà, c'est du 12, hein, bien sûr, hein. Bille d'acier, tout, ça accepte tout. Bien sûr, le S4 HK, super fusil, incroyable. Bon, là, c'est la réplique exacte du Bellini S4. Voilà, donc on va essayer toutes sortes de cartouches avec. Hein. On va s'éclater sur du sanglier courant. Donc, c'est une cible avec un sanglier qui avance et nous allons tirer dessus. Et nous allons faire la différence avec les armes anciennes, voir un peu comment était la chasse à l'époque et comment se passe la chasse moderne maintenant, quelle est la différence, s'il y a vraiment une grosse différence ou pas. On va voir tout ça ensemble. Donc mes fusils étant valides pour la poudre vive, et on va tirer de la Wernicka Roux de collection, Extremora. La Leclerc aussi, très rare aussi, munition de collection, de la 303 Mariarm. Bon là c'est déjà plus moderne. J'ai aussi de la chevrotine en PN, spécial PN. On va faire un peu de PN, ça va être l'éclate aussi parce que j'aime bien quand ça fume et quand ça crache des flammes. J'ai aussi bon, du petit grain, pareil, hein, c'est du, je crois que c'est du 4. Voilà, c'est du petit grain, ouais. Pour le petit gibier ça, pour le gibier volant, voilà. Pour l'eau, les trucs comme ça. Et puis on va finir par de la slug en PN, donc ça c'est pour le sanglier, hein, donc, mais en PN, comme à l'époque, donc on va tester ça, hein. Ça va défourailler, c'est vraiment un truc super sympa à faire quoi. Faire la différence entre le moderne et l'ancien, voir un peu comment nos grands-pères y tiraient, comment nous on tire maintenant, la facilité qu'on a. Là c'est du gros grain, c'est du numéro 1, c'est du 303 numéro 1, donc c'est du gros grain, c'est de la chevrotine. Voilà, bah on est prêt, hein. Il n'y a plus qu'à y aller. Voilà les amis, je vous dis à bientôt.